Vous connaissez l'expression ? Ne rencontrez jamais vos héros ? Eh ben moi, je l'ai fait. Et c'était génial ! Les Avengers étaient comme dans mes rêves les plus fous. Bonjour San Francisco ! Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de me suivre. You waiting? Yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Whoa! This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Where? Ford, see if you can clear a path on the bridge. Aye. Go, go, go! We gotta leave! Les mortels sont pris au piège. Armés et agressifs. Thor, thanks for the assist. We got civilians trapped behind those barricades. Understood. Stay behind me. I will deal with them. Pas de problème, Thor. On va bien s'amuser. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du SHIELD. J'ai contacté le commandant Hill. Cap, ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans Chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Vous êtes blessé ? Non, juste coincé. Vous avez de la chance, je suis très puissant. Merci, Thor. Mettez-vous à l'abri. Thor! Thor, thank you! Stay down. Help is on the way. C'est moi qui les ai fabriqués.
protéger le cristal intelligent. S'il est touché, je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Avengers, le convoi transporte le prototype secret du SHIELD. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Il, comment va ça? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, je pensais pas que vous aviez entendu ça. Du SHIELD de tourelles. Tony. Ah oui, c'est moi. Comment ça se passe pour toi, Tony? Oh, nothing. Everything's just peachy. I'm just hoping these guys don't have... They take it back. They've got Pulsar tanks. Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oui. Il risque de s'effondrer. Dépêche-toi, mon grand. Il a déjà bien souffert.
Tes inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Attaquer! Évacuer les civils! Steve, tu m'entends? Nat! Nat! Carlton, vous êtes là? On a été coupé! Captain, on a un problème! Je sais, Doc! Vous essayez de détourner le chimère! Pas ça! J'avais jamais vu de tels résultats! J'arrive dès que possible! On est en train de se faire massacrer. Moléculaire du térigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable. Stop! Je vous rappelle. Le vaisseau va pas tenir longtemps. Je fais de mon mieux. Avenger, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Avenger, au rapport! Le berger? Avenger, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Des bombes soniques? C'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannies il y a des années. Allons voir ça. Voilà une entrée. Taskmaster. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Tony, là, les gars.
La base du pont est sécurisée. Les gars, j'en reçois des ondes sismiques étranges. Camion. Compris. Encore des réponses? T'abandonnes? Jamais! Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? C'était pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Assez parlé! Lâche! C'est quoi le problème? T'aimes pas les surprises? You think you've won? Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Look around, Romanoff.
The world will remember this day. The day their heroes failed them. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Bêta. C'est pas vrai. Il y a 5 ans, on présentait des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Tony a stocké le gros du matériel ici quand Stark Industries a coulé. Et si quelqu'un sait où se trouve Tony, c'est Jarvis. Ce chemin devrait nous mener à l'entrée secrète des archives. Génial! J'adore les randonnées. J'aime ton enthousiasme. Tu portes bien le dispositif de communication que je t'ai donné. Ouais, il est pratiquement invisible. Dites-moi. Oh, mais lui... Donc, il a fait fuir la Résistance? Pour être franc... Je crois qu'il y avait personne, Kamala. Le grand gaillard s'est castagné avec quelques agents du SHIELD. Mais après ça, rien. Oh. Je vois. Je crois que j'ai trouvé un truc. Oh, c'est un peu étroit. Attention à ta tête. Attendez. Je vais vous aider. Merci. Non, ça va. Il y a une clairière juste là. L'entrée devrait s'y trouver. Cool. Au fait, à quoi il ressemble, Jarvis? Un disque dur datant de 1998. D'accord. Autre question. Ça ressemble à quoi, un disque dur datant de 1998? Sérieusement? Wow. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Jersey City. C'est joli et paisible. Ouais, ça fait longtemps. Tony me laissait venir ici avant. Histoire d'avoir un endroit où me calmer, où me casser des trucs. Je vois ça. Enfin, ça veut dire qu'on est proche. Bon sang. C'est bien scellé.
envoyer des unités de capture. Docteur Banner, qu'est-ce que je fais? J'aime pas ça du tout. Non! Rendez-vous sans faire d'histoire. Vous êtes prévenus. Ça y est, mais partout! Comment ils ont pu arriver si vite? Puissance maximale protégée! You
unités sont en route. Attaquez-le de tous les côtés. La trouille quand ils sont désactivés. Et tout sabotage sans pause. Non, non, non. Mauvaise idée. C'est le moment de bouger. C'est moins une. Je crois qu'ils se dirigent vers vous. Je crois que Bruce non plus n'aime pas mes blagues. Ok, ok. Je mentionnerai plus le... type aux lunettes. Base. Hé. Hey. Tout va bien? Ok. Alors, ça va. J'imagine. Oh non. La IM s'est pas contentée de venir. Ils sont carrément installés ici. On doit trouver Jarvis et ficher le camp. Quand on en aura fini ici. C'est sûrement les archives. Droit devant. L'AIM a dû s'installer ici. Tu crois toujours que Monsieur Stark est là? Je pourrais entrer dans ses conduits et regarder. Ouais, ouais, ça marche aussi. L'AIM est partout. Fais diversion et je vais essayer d'entrer. Nous sommes attaqués. Ils ont posté des gardes partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh non! Ils sont en train de tout verrouiller. J'y suis! Oh, ces conduites sont énormes. On dirait que l'AIM a construit le bâtiment autour des archives d'origine. Tout est neuf. Nous sommes attaqués.
qui se dirige vers l'ascenseur. Ces portes. Docteur Banner, arrêtez! Retirez les
passerelles. Évacuez les sujets vers le site numéro 3. Tarleton est ici ? Qu'est-ce que ça dit ? Renfort en approche de l'administration. C'est en bas. Je crois pas qu'ils savent que je suis là. Docteur, je sais que vous m'entendez. Je vous en prie. Vous pouvez le combattre. Je ne veux pas vous blesser. Tu vas devoir forcer la salle des serveurs. Vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas ce monstre, docteur. Ne voudriez pas détruire ces recherches. Vous en avez un choix. Laissez-moi vous aider, Bruce. Il n'est pas trop tard.
ce qui s'appelle le laboratoire de Terrigenèse. Qu'est-ce que c'est ? T'as réussi ! Ils gardaient les inhumains là-dedans. Qu'est-ce que... C'est là qu'ils les torturaient. Hulk. Il faut que tu... détruises ce laboratoire. Écrase ! Immobilisez-le ! Vous avez vu la vérité, Banner. Vous étiez le seul. Nous essayons de réparer les dégâts que les Avengers ont causés il y a des années. Nous avons causé. Tous ces inhumains ont maintenant une chance d'avoir une vie meilleure. Nous pouvons encore épargner aux inhumains ce qui vous est arrivé. Ils veulent un remède. Ils mentent. Ils s'en fichent de sauver des gens. J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Je vois que vous voulez les combattre. Vous ne voulez pas être cette chose, mais vous êtes faibles, l'un comme l'autre. Je le ferai. C'est mon devoir. Je crois que j'ai trouvé les... Je vais devoir me battre. Sans toi, Khan, tu peux y arriver.
générateur sous tension. Veuillez activer les systèmes principaux. Je suppose que je dois utiliser les interrupteurs pour activer le courant. Bon, les interrupteurs. Concentre-toi, Kamala. Activer les systèmes secondaires. La porte devrait s'ouvrir maintenant. J'espère que t'es là, Jarvis. Il se cache peut-être dans cette pile d'équipements super cool des Avengers. Allez, Kamala, il faut que je trouve un indice. Pourquoi exposer de la pyrite quand on peut se payer ce qu'il y a de mieux ? Faut que je continue de chercher. Le Mark 1. Est-ce qu'il compte jour ?
Tony de la part de Pepper. Je sais que c'est pas le moment, mais c'est carrément génial, la guitare de Tony Stark. Général de la côte ouest. Bizarre qu'il ait gardé ça. Toujours aucun signe de Jarvis. Y'a quoi là-bas? Mais non.